j'étais professeur de sciences politiques dans une université parisienne, je suis à la retraite. Voilà. Cette crise de l'euro est un révélateur de la crise de l'Union européenne. Cette crise était latente, mais elle a été exacerbée par la crise de l'euro. Et alors, mon malaise vient aussi de ce que je vois, évidemment, des analyses pointues, pertinentes, plusieurs issues possibles à cette crise de l'euro, mais des stratégies de rupture, de désobéissance par exemple, mais je ne vois pas l'esquisse d'une autre Europe. Et je pense que c'est ce qui désoriente aussi beaucoup tout le monde, c'est que cette Europe ne plaît pas. Cette Europe ne plaît pas parce que, même si, grosso modo, selon les pays, il y a plus ou moins, c'est 50-50 pour le maintien dans l'euro, l'insatisfaction vis-à-vis des institutions est beaucoup plus forte. C'est de l'ordre de 75% d'insatisfaction. Donc cette Europe ne plaît pas. Et si on ne propose pas, notamment lors des élections de l'année prochaine, une autre perspective, eh bien, le débat restera essentiellement négatif. Un débat contre, non pas un débat contre. Alors évidemment, et je vais terminer, il y a une solution qui n'est pas du tout absurde. Une solution, c'est de sortir de l'euro, de revenir aux États-nations avec des coopérations entre les États-nations. Mais si cette solution, d'abord, c'est pas trop bien, mais à certains égards, elle serait dommage. Donc, quel autre? Et si on se pose la question de quelle autre Europe, il y a une question qu'on ne peut pas éviter, même si elle gêne, même si elle fâche, même si etc., c'est la question du fédéralisme. Dans l'ensemble, oui, vous avez un État qui est beaucoup plus interventionniste, beaucoup plus présent sur tous les plans, par exemple sur la gestion de la monnaie, par exemple, aux États-Unis. Si bien qu'on peut dire aujourd'hui, je crois, avec plein d'arguments et à l'appui que l'Union européenne est dans le monde l'espace privilégié, l'espace par excellence de ce néolibéralisme. Et ce n'est pas étonnant qu'elle soit en crise. Parce que si ce néolibéralisme est en crise, il est normal que ce soit l'Union européenne qui en souffre le plus. La question donc, que je voudrais aborder, c'est la question du fédéralisme. Cette question est pendante depuis les origines. Les pères de l'Europe, justement, voulaient un fédéralisme. Voulaient un fédéralisme très particulier. Le fédéralisme, il existe aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'il est à construire. Il est déjà largement construit. Je n'en prends que deux sortes de témoignages. Dans ce qui concerne le marché intérieur, vous avez une prolifération invraisemblable, énorme, sans égal dans aucun autre État fédéral du monde, États-Unis, Brésil, Inde, etc., une prolifération de normes qui vont dans un détail extraordinaire et souvent bizarre et parfois comique. Alors, je ne vais pas... Et ça, bien sûr, tout ça est une motivation. Ce n'est pas par rapport. Je vous prends un exemple qui vient à l'esprit, c'est le dernier exemple. Un des derniers exemples, il y en a tant d'autres, il y a la directive chocolat, il y en a 36 000, mais... Un projet de directive sur la manière dont on doit présenter dans les restaurants l'huile d'olive. Eh bien, on doit la présenter sous forme de bouteille, de telle ou telle contenance, et pas sous forme de poubelle. Alors que dans les pays du Nord, il est de tradition que l'huile d'olive soit présentée dans les poubelles. Voilà, donc c'était un projet de directive. Donc ça, ce qui a suscité un certain émoi dans ces pays, finalement, il a été abandonné. Mais il y en a des tonnes comme ça. Je ne connais aucun État fédéral dans le monde où on aille dans des détails aussi pointus. Voilà. Deuxièmement, vous avez un fédéralisme budgétaire, alors qu'on va appeler un pseudo-fédéralisme, technocratique. Et ce fédéralisme budgétaire, vous en avez l'illustration extraordinaire avec le TSCG. C'est-à-dire qu'ici, voilà, on va gouverner selon des règles, ces règles seront opposées une fois pour toutes, et ces règles sont proprement hallucinantes. Juste un mot. Le fait qu'un État ne puisse pas financer, ne doit pas être en déficit, son budget doit être en excédent, ou s'il est en déficit, son déficit structurel ne doit pas même dépasser 0,5% du PIB. Et vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'un État ne peut plus s'endetter. on ne peut s'endetter ce que les entreprises font tous les jours. Elles ne fonctionneraient pas, les entreprises, ne s'endettaient pas. Donc, vous avez ici un fédéralisme technocratique et parfaitement contraignant. Parfaitement contraignant, puisque vous avez vu que les conséquences, vous avez vu que la Commission européenne qui l'applique, dit qu'il faut faire ça et ça, telle réforme structurelle, il faut faire ça dans tel et tel délai, qui lui donne un an de grâce éventuellement. Oui. Voilà. Donc, il existe déjà. Il existe déjà, mais il existe sous une forme bien particulière. Alors, par contre, il n'existe pas du tout, ou très peu, dans le domaine que vous connaissez, c'est dans le domaine social et fiscal. Ah, il n'est pas connu. Et ce n'est pas au hasard. C'est voulu. C'est voulu parce que l'idée, c'est que l'idée, c'est le principe, il est fondamental. C'est non seulement, c'est le principe de l'ordonnalisme, non seulement que les entreprises doivent être en concurrence, donc contre tous les abus de position dominante, etc., ce qui veut dire, entre parenthèses, que, par exemple, EADS serait impossible aujourd'hui, parce qu'il est dans un abus de position dominante, ce qui veut dire qu'il serait impossible de construire aujourd'hui des champions européens comme le font les États-Unis de leur côté, des champions industriels américains. Je disais que le principe de base, c'est ça que je crois qu'il faut absolument comprendre. Le principe de base, c'est la concurrence entre les entreprises. C'est un principe qui est soutenu fondamentalement par les multinationales. Et le principe de la concurrence entre les États. Dans l'idée que plus les États se feront concurrence, plus l'économie européenne sera performante. Plus elle sera compétitive. Donc, ce n'est pas un hasard si l'Europe sociale, on court après depuis 30 ans. Elle n'aura pas lieu, effectivement. Elle est impossible, parce qu'elle va contre ce principe de la concurrence. On ne va pas harmoniser la fiscalité, on ne va pas harmoniser, même progressivement, le droit social. C'est tout à fait... Ça empêcherait des formes de concurrence, comme la déflation salariale, qu'a pratiquée largement l'Allemagne. Ça empêcherait d'autres formes de concurrence, comme la concurrence fiscale, qui créera taux d'intérêt sur les sociétés. Voilà. Donc c'est ça, ce fédéralisme. Alors maintenant, sur le fait qu'il soit antidémocratique, bon, beaucoup de choses ont été dites, et si vous voulez encore en savoir un petit peu plus, je vous recommande vivement la lecture d'un excellent livre, qui s'appelle Circus Politicus, je ne sais pas si certains ont lu, de deux journalistes, c'est une enquête très pointue, très fouillée, où vous voyez comment ça se passe dans les cercles dirigeants européens. Et moi, ça m'a permis de parler dans ma note d'une véritable nomenclature européenne. C'est des gens qui se cotent, qui travaillent dans le secret, qui se conservent dans des lieux secrets, qui ont des avantages particuliers. C'est vrai, ça correspond bien à la définition d'une nomenclature. C'est elle qui vous ouvre. Vous la trouvez donc à la Cour européenne de justice, vous la trouvez à la Commission. Bien évidemment, vous la trouvez au niveau des différents conseils des ministres, vous la trouvez au niveau du Coreper, qui sont ceux qui préparent les décisions, donc elle englobe un certain nombre de hauts fonctionnaires des administrations nationales qui marchent tous dans la même direction. Alors à partir de là, il y a un texte, puisque les dirigeants européens eux-mêmes n'ont pas fait ça. Donc, des propositions qui ont été faites qui viennent, qui sont d'Allemagne, figurez-vous, non pas de France, hein. c'est pas le gouvernement économique de Hollande qui est une proposition, c'est simplement un renforcement de l'euro, c'est tout. Hein. Diverses propositions que je n'ai pas le temps, à compter, de passer en revue. Et la proposition, par exemple, de l'élection d'un président de l'Union du droit universel. Imaginez un petit peu comment ça pourrait se passer. L'élection d'un président de la Commission, elles sont nées d'Allemagne, d'un tel ou tel ministre, ou d'Angela Merkel, ou de son parti. Pas grand-chose, c'est venu du SPD. Faut bien dire. Alors, comme ça aussi, ça paraît tout à fait irréaliste. Comment les gens vont voter sur... je ne sais pas, un portugais ou un lituanien pour devenir président de la Commission, même si programme totalement irréaliste. Donc on se rabat sur la seule proposition de François Péri, celle de l'élection du président de la Commission par le Parlement européen. Il y a d'autres propositions, et là je passe à Philippe, mais je dirais que si j'avais le temps de les analyser, en fait il s'agit de tout changer pour ne rien changer. Le compte c'est ça. Il s'agit de donner une onction démocratique, puisque ce déficit est un fossé béant, donner une onction démocratique à cette Europe totalement adémocratique ou antidémocratique. Alors, j'en viens donc maintenant à la question, mais finalement, est-ce qu'un fédéralisme est souhaitable? Alors, il est souhaité. Il est souhaité, sous des formes diverses. On demande plus d'intégration, plus de solidarité, plus d'union. C'est toujours très flou. Il est souhaité en particulier par des économistes. Ils disent, l'euro ne peut marcher que s'il y a un fédéralisme, que s'il y a un État fédéral, que s'il y a une union de transfert. Je m'explique un petit peu. L'union de transfert, qu'est-ce que ça veut dire? Aux États-Unis, vous avez un budget fédéral important qui représente 20% du PIB. Quand un des États américains est dans une situation difficile, voire au bord de la faillite, eh bien, l'État fédéral vient à la rescousse, jusqu'à un certain point, bien sûr. Bref, qui fait ses propres réformes, mais pas à la rescousse. Alors c'est ça, l'union de transfert, c'est-à-dire un transfert d'argent direct. C'est pas des prêts. C'est pas des prêts. L'État fédéral ne prête pas à la Californie. Vous me comprenez bien. Ce qu'a fait l'Union européenne sous prétexte d'aide, c'est des prêts, et même des prêts usuriers en fait. Souvenez-vous par exemple qu'au début on a prêté à la Grèce à 5%, alors qu'on empruntait sur les marchés financiers à moins de 2%. Vous voyez, tous les pays auxquels on prête, l'Irlande, etc., on prête au-dessus des taux auxquels empruntent la France et l'Allemagne, les deux principaux contributeurs. Des principaux créanciers. Bon. Donc, ça serait ça l'union de transfert. Et certains économistes disent, ben, c'est ça qu'il faut faire. Bon, prenez par exemple le titre d'un livre de Gaglietta, il est parfaitement clair, zone euro, éclatement ou fédération. Éclatement ou fédération. Donc c'est soutenu par un certain nombre d'économistes, c'est soutenu par un certain nombre de dirigeants européens, quelques fédéralistes convaincus ou quelques fédéralistes plus ou moins honteux. Mais est-ce que c'est souhaitable? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question que vous avez posée. Est-ce que, dans cette Europe de 27, de 500 millions d'habitants, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est un sens, qui rassemble tant soit peu une démocratie? Eh bien, la réponse, elle est non. La réponse, elle est non, parce que le seul lieu aujourd'hui encore d'exercice réel de la démocratie, c'est les États-nations européens, premièrement. Et deuxièmement, les pays européens ont, soyons honnêtes, ont des différences de tradition politique, des différences de tradition culturelle, de systèmes sociaux, etc., très importantes. C'est le poids de l'histoire. Je pense, moi, qu'il n'y a pas plus d'esprit européen dans l'Europe, de consensus culturel ou politique, que par exemple entre les États d'Amérique latine, qui au moins parlent que de langue. Donc, les nations sont là. Je me rappellerai ici ce mot de Gaulle qui avait souvent de très bon. On ne peut pas faire une Europe fédérale avec une omelette fédérale, avec ces œufs durs que sont les nations. Ouais. Donc, si c'est pas possible, si c'est pas possible, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut en finir avec l'Union européenne? Ce que je préconise, propose dans cette note de la Fondation Gabriel Péri, une note de 70 pages, que vous pouvez commander, 4 €, vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Vous trouverez l'essentiel de mon analyse, mes propositions. Ce que je propose, c'est de faire un fédéralisme à minima. Un fédéralisme de subsidiarité. En un mot, juste ce qui est nécessaire, en plus. En appliquant rigoureusement le principe de subsidiarité. Ce qui est nécessaire, en plus. Alors, qu'est-ce qui peut être nécessaire? Il peut être utile qu'il y ait évidemment une certaine harmonisation, un certain fédéralisme budgétaire, mais dans des limites strictes. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas le développer, je vous dirai simplement qu'ici, je propose la chose suivante, c'est que les États récupèrent une partie de leur souveraineté budgétaire en ce qui concerne un certain nombre, une fraction de leur budget, qui est tous les investissements de la vie. Tous les investissements de la vie doivent être absolument libres de les décider, quitte à, évidemment, se soumettre à du contrôle pour montrer que c'est bien les dépenses d'investissement, d'éducation, des hôpitaux, des aides aux entreprises, de la banque publique d'investissement, tout ce que vous voulez, des choses qui sont... C'est donc qu'à ce point, ils aient le droit, avec l'autorisation ou non, là, il y a un vrai problème de stratégie de la BCE, de créer un euro, franc. Pour cela et pour cela. Première chose. Deuxièmement, je trouve assez bien qu'il y ait un fédéralisme bancaire, dans la mesure, une union bancaire, dans la mesure où les grandes banques interviennent dans toute l'Europe, donc on mettre toute l'Europe en faillite, qu'il y a une union bancaire. Là, on a fait des petits progrès, mais qui sont très limités, je n'ai pas le temps de m'apesantir. Troisièmement, il faudrait évidemment un fédéralisme, là il en faudrait plus, fédéralisme social et fiscal. Mais ceci suppose des conditions. On ne doit pas demander à des pays qui, justement, pour arriver à se développer, se servent de leur bas niveau de protection sociale et de leur bas niveau de salaire et de leur faible fiscalité. On ne doit pas leur demander de renoncer à tout ça, de les mettre en difficulté. Il faut compenser. Il faut compenser, c'est-à-dire qu'il faut compenser avec un budget européen conséquent qui leur permet de rattraper progressivement, harmonisation vers le haut, les autres pays. Voilà, alors maintenant, ce fédéralisme, donc réduit dans le domaine budgétaire, accru dans le domaine bancaire, accru dans le domaine social et fiscal, doit être limité dans un certain domaine et pas à d'autres. C'est-à-dire que je pense qu'il faut retirer du champ de l'Union européenne tous les services publics. L'Union européenne n'a rien à voir dans les services publics qui relèvent du niveau national, puis avoir des coopérations après, bien sûr, qui relèvent du niveau national, qui sont une base de la citoyenneté. Donc, vous voyez, ça veut dire que, et ça c'est le contraire des électeurs, puisqu'il s'agit en ce moment de les défaire, ces services publics. Et le traité sur le libre-échange, ça va servir à ça aussi. Donc, retirer des compétences de l'Union européenne, tout ça. Et j'en arrive aux institutions. Comment est-ce qu'on pourrait les rendre quand même plus démocratiques? Alors, voici les suggestions. D'abord, il faut redonner aux parlements nationaux le dernier mot, en quelque sorte. Le dernier mot, c'est ça. Et donc, ce serait possible sur la forme suivante. Vous m'excuserez si je ne peux pas rentrer dans le détail, parce que je n'ai pas le temps. Ce serait le fait de constituer, à côté du Parlement européen, une chambre haute, qui serait constituée de représentants des parlements nationaux. Qui serait constituée comme l'ancienne assemblée, mais qui n'avait qu'une valeur consultative. Cette chambre haute serait donc constituée de représentants des parlements nationaux, responsables devant leurs collègues, avec des mandats, et donc pouvant faire valoir les intérêts nationaux au sein du législatif européen. Comment? Alors, on pourrait s'inspirer, c'est ce que je suggère ici, on pourrait s'inspirer ici du Bundesrat allemand. Le Bundesrat allemand, qui est la chambre haute, a des pouvoirs tout à fait intéressants. Différents musées américains, il a premièrement le pouvoir de veto. Si suspensif, de veto suspensif. Si un des landes allemands considère que telle proposition de loi ne lui convient pas et n'efface à ses intérêts ou à sa tradition, on peut demander à ce qu'elle soit réexaminée par la Chambre basse, l'actuel Parlement européen. Il peut même avoir un veto absolu dans certains cas. C'est-à-dire, on ne renvoie pas, on dit non définitivement. Et les représentants des parlements nationaux dans cette chambre haute auraient finalement le dernier. Les deux chambres auraient la totalité avec le Conseil de l'initiative. On leur retirait quand même l'initiative des lois du Conseil, parce qu'on va leur retirer au gouvernement français. Et ils auraient l'initiative législative. Ils seraient retirés à la Commission européenne. Et ça commençait à ressembler un peu à une démocratie. Ils auraient donc l'initiative et alors, ça c'est le législatif. C'est ces deux chambres. Comment ça se passerait entre les deux chambres? Une navette. C'est pas très compliqué, c'est très faisable. L'exécutif, ce serait quoi? L'exécutif, c'est l'actuel Conseil. L'actuel Conseil, c'est le Conseil des 27 chefs d'État du gouvernement. Cet exécutif, dans les domaines de compétences de l'Union et seulement dans les domaines de compétences de l'Union, serait tenu d'avoir un programme et de présenter son programme, comme dans toute démocratie parlementaire digne de ce monde, devant les chambres. Ce programme pourrait être voté ou ce programme pourrait être refusé. Il pourrait se trouver donc devant un phénomène de défiance. Il serait conduit à ce moment-là à revoir son programme. Bon, on peut penser qu'on finira par se mettre d'accord, parce que s'il y avait un conflit extrême, ça devrait aboutir, on aboutirait à la dissolution des deux chambres et à de nouvelles élections. La Commission européenne, elle, deviendrait une simple administration d'exécution, comme les administrations nationales. Alors, à ce compte-là, je crois que le gain démocratique serait quand même assez substantiel pour qu'on puisse vivre dans cette Europe sans se sentir complètement dépossédé de ses droits. Assez substantiel parce que, bon, nos représentants, nous les connaissons dans la Chambre haute. Nous les connaissons et ils doivent rendre compte. Nos gouvernants, nous les connaissons. Nous les connaissons, et eux aussi, nous leur rendons compte. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans le Conseil, on ne sait rien de ce qui se passe. Il faut faire des efforts insensés pour aller avoir quelques petites informations. Qui a voté quoi? Qui a voté quoi? On sait qu'il y a des majorités, des minorités, mais qui a voté quoi? C'est pas possible. Donc, il faudrait ici que cet exécutif, ce Conseil, soit enfin responsable, et là, il est visible, du coup. Il est visible parce que vous avez 27 personnes qui sont identifiables. Vous n'avez pas 270 ministres, puisqu'il y a 27 pays, 28, pardon, 280, et que vous avez 10 conseils. Donc on ne sait absolument pas quelle position ils ont prise, comment ils ont négocié, dans la nuit, la dernière minute, de quoi, comment on sait. Moi je pense aussi, de toute façon, que cette Union européenne telle qu'elle est mortelle. Mortelle pour nous, mais mortelle parce qu'elle va mourir. Elle ne peut pas durer éternellement comme ça. Elle va aller petit à petit vers une sorte de chaos dans les 10, 15, 20 ans, je disais, je ne sais pas quoi faire. Bon, nous pensons donc qu'il faut... Le problème, c'est le problème de la stratégie de la rupture et pourquoi faire. Alors, vous pouvez avoir une stratégie de rupture ponctuelle. Hein. C'est le thème de la désobéissance constructive. Pas, je veux dire, il ne faut pas se laisser intimider. Hein. Il y a toutes sortes de réponses. Si on nous menace de sanctions, on a des contre-mesures. On peut par exemple décider de ne plus verser une partie de notre contribution au budget européen. Il y a toutes sortes de contre-mesures ici. Donc ça, ce sont des choses ponctuelles. Et ça existe. Je veux dire, il y a déjà plusieurs pays qui ont eu des dérogations. On pourrait très bien aussi avoir des dérogations. Par exemple, dans les accords européens de justice, je vais très vite sur l'exemple, elle veut nous supprimer, à travers un arrêt, nos derniers EPIC. La SNCF, la RATP, et quelques autres. Hein. Les ports de Paris, etc. Je suis heureux de donner des EPIC parce que il y aurait une entrave à la concurrence. On peut dire non. On peut dire non. Mais à mon avis, ces ruptures très limitées, c'est là que j'ai limité pendant... C'est ce que j'ai défendu pendant un certain temps. Ces ruptures très limitées seront assimilables sont assimilés à absents, acceptés comme des dérogations, et l'affaire continuera de tout à fait. Donc il faut une rupture plus importante. Évidemment, le point le crucial aujourd'hui, c'est l'euro, puisque l'euro est devenu la clé de l'Union européenne. Alors, quelle rupture par rapport à l'euro? Vous me permettrez de ne pas développer, parce que je n'ai pas le temps, hein, mais on peut sortir de l'euro, on peut revenir vers la monnaie commune, ou plutôt aller vers la monnaie commune, car on n'y a jamais été, c'est parfaitement possible. On peut sortir complètement, on peut revenir à la monnaie nationale. Bon, ces questions-là sont des questions difficiles, il faut en mesurer tous les risques. C'est la première chose. Alors, si vous prenez par exemple le programme du PEP, il est très clair là-dessus, hein, on sort de l'euro, et on sort de l'euro, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, on chamboule tout. On est obligé de tout chambouler. On réintroduit le contrôle des chambres, on nationalise les banques et toutes les compagnies d'assurance, on supprime le marché boursier, etc. Très bien, très bien. Mais vous voyez la difficulté historique pour faire ça. Alors que les opinions ne sont pas prêtes, ne sont pas mûres. Encore une fois, il y a un attachement faible, mais il y a encore un attachement à l'Union européenne. Par contre, ce qu'on déteste, c'est la Commission, c'est les institutions, faisant porter le chapeau d'ailleurs, finalement, à des gens qui ne sont pas les principaux ou les premiers responsables. Donc voilà, la stratégie de rupture, d'accord, une désobéissance constructive. On désobéit sur la question du TSCG. On désobéit sur quelques questions clés. Et après, je suis toujours gêné, de plus en plus gêné, par des politiques qui sont que des politiques de refus. Si c'est un refus clair et net, adieu l'Union européenne, parfait, on voit ce qui se passe, on essaie de construire autre chose. Si ce n'est pas ça, si on n'a rien à mettre sur la table, qu'est-ce qu'on fait ?